Il y en a déjà plein le Midwest, plein la Pampa, mais aujourd'hui, le soja débarque dans les champs de Suisse. En 10 ans, la production a bondi de 78%. Les supermarchés regorgent de tofu fabriqué ici avec du soja local. On suit la graine, de la racine à la cuisine, avec Gabriel Tégédor et Régis Migy. Le soja. Difficile d'en parler sans prendre position. Source de protéines providentielles pour les végétariens, accusée de la déforestation de l'Amazonie par d'autres, la consommation de soja est recommandée lors de la ménopause, mais ces boissons pour nourrissons sont violemment critiquées. Bien loin de ces débats et des plaines du Midwest, premier producteur mondial, dans la campagne genevoise, on en cultive aussi du soja. Quand vous commencez à produire des produits bio, vous êtes motivé avec les années de faire des essais. Parce que c'est des challenges et puis c'est des choses qui sont motivantes. Voilà, c'est le soja 2020. Puis vous voyez là, il marque la ligne déjà. Et puis il est semé à 50 l'interligne. Et puis on met 700 000 grains à l'hectare. Nécessitant un désherbage régulier et un arrosage conséquent, ce soja bio reste une bonne affaire pour notre agriculteur. Philippe Desbiol s'est lancé dans sa production il y a 7 ans. Son soja est destiné à l'alimentation humaine sous forme de tofu, de boisson ou de yogourt. L'an prochain, il prévoit de doubler sa surface de soja pour atteindre 11 hectares. La production supplémentaire sera destinée à l'alimentation des animaux. Pour moi, côté financier, elle est intéressante. Et puis, deuxièmement, elle est très intéressante au niveau des rotations de culture. Parce que le soja capte l'azote, il en fabrique, il en stocke dans le terrain et derrière, on revient avec du blé. Et l'azote qu'il a stocké dans le terrain est pour la culture d'après, pour le blé. Et pour nous, c'est une bonne rotation. Voilà, on a le printemps. On l'a semé le 30 mai, parce qu'on regarde la lune, en plus. Parce que pour nous, c'est tout, pour toutes les cultures de printemps, c'est important pour nous. Et on va le récolter autour du septembre. Il aura 70 à 80 cm de haut. Après, vous savez, nous, on fait le 50%. Après, c'est là-haut qui décide. Une fois récolté, le soja est séché, puis on extrait les fèves des cosses. Les fèves de soja, c'est la matière première de Suisse Soja. Dans son usine genevoise, l'entreprise fabrique tofu, steaks végétaux et boissons au soja. Alors ici, vous avez les fèves de soja qui ont été réhydratées. Ces fèves de soja, on va les transférer dans ce moulin à pierre de lave. On va les broyer. Ça va en faire une purée. Cette purée, ensuite, on va les transférer dans l'autoclave qui est juste ici. Cette autoclave, on va y injecter de la vapeur sous haute pression qui va dépasser les 100 degrés. Et ça va permettre à la purée, cette méthode de cuisson va permettre de séparer la fève de soja du lait de soja. Un peu comme avec les olives, on sépare l'huile de l'olive de la peau de l'olive. Nous, on sépare le lait de soja de la fève de soja. Ensuite, une fois que la consigne de température est atteinte, on ouvre la vanne. L'entier du contenu de l'autoclave va s'extraire, va traverser ses filtres. La partie fibreuse va rester prisonnière des filtres. C'est ce qu'on appelle l'ocara. Le lait de soja va s'écouler à travers. Une fois qu'on a le lait de soja, comme dans les bassines que vous pouvez voir ici, eh bien, ce lait de soja, on a deux solutions. Soit on l'embouteille, soit on le fait coaguler. Et pour le faire coaguler, comme pour un fromage, il faut un ferment. Pour le tofu, le ferment s'appelle le nigari. Traditionnellement, il est extrait du sel marin. Une fois qu'il a coagulé, on le prend et on le met sous presse, tout simplement. On a ce qu'on appelle la fleur de tofu. Cette fleur de tofu, on la prend, on la met sous presse. On a ici des presses carrées. C'est pour ça que le tofu a toujours une forme carrée. Si on avait des presses rondes, on aurait des meules. Chaque année, Suisse Soja produit 200 tonnes de tofu nature, curry, basilic, fumé, etc. Et aussi des boissons.
La quantité produite a beaucoup augmenté ces 5 dernières années, profitant du boom pour le soja. Eh bien, on travaille avec des fèves de soja qui sont d'origine uniquement suisse, certifiées bio bourgeon suisse. Alors, c'est destiné à monsieur et madame tout le monde. C'est vendu aussi bien en grande surface qu'en magasin bio ou alors auprès de la gastronomie de collectivités telles que les écoles, les crèches ou les hôpitaux, par exemple. Active depuis 1977, l'entreprise a acquis une grande expérience dans la transformation de la petite graine. Ici, on travaille avec des méthodes de production qui sont les méthodes de production ancestrales, qui sont des méthodes qu'on a importées du Japon il y a bientôt plus de 40 ans maintenant. Donc, chez nous, on travaille exclusivement avec du lait de soja produit à base de fèves de soja. Et tout le monde fait comme ça ? Pas du tout. La majorité du lait de soja que vous trouverez sur le marché, c'est du lait de soja qui est généralement issu de farine de soja. Farine de soja, pourquoi ? Tout simplement parce que ça coûte moins cher à produire. Les farines de soja, généralement, sont faites avec des fèves qui sont moins mûres, donc moins cher aussi à l'achat, et c'est plus facile, tout simplement. Que ce soit à destination de l'homme ou de l'animal, le soja est devenu un immense business où, logiquement, tous les coûts sont permis. Quitte à ce que ce soit aux consommateurs d'en faire les frais. Bon ou pas bon les produits au soja, on en parle dans quelques minutes. Avant ça, on va regarder d'un peu plus près la plante qui pousse sous nos latitudes. Derrière cette culture, il y a un immense travail de recherche et de sélection. Ce travail, c'est le vôtre. Claude Alain Bétry, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Vous nous avez apporté des gousses de soja. D'où est-ce qu'il vient ? Alors ça, ils proviennent de notre pépinière de sélection à Changin. Ici, il s'agit d'une plante qui arrive à maturité. Donc elle a été semée au mois de mai et normalement est récoltée à la mi-septembre. On a un petit peu d'avance cette année en raison des températures très chaudes et du climat relativement sec. Donc là, on observe donc toutes ces gousses avec environ 2 à 3 grains par gousse qui sont présents sur toute la tige. Et si vous connaissez aussi bien le soja, c'est parce que vous êtes sélectionneur de soja à l'Agroscope de Changin. Le soja qu'on trouve ici, comme cette variété-là ou celle que vous avez près de chez vous, est-ce que c'est le même que celui qui pousse en Amérique du Sud ? Alors, pas tout à fait. Premièrement, la grosse différence, c'est que les sojas suisses ne sont pas génétiquement modifiés. Il faut savoir que 80% du soja est OGM dans le monde. Quelle autre différence il y a avec le soja qu'on trouve en Amérique du Sud ? Est-ce que ce sont les mêmes graines ? Pas forcément, tout dépend des objectifs de sélection. Ici, par exemple, nous avons sélectionné cette variété pour une amélioration pour son goût. Le soja a un goût herbacé, naturellement, qui est plutôt jugé défavorable par les Occidentaux et jugé plutôt optimal par les Asiatiques. C'est dû à une enzyme, les lipoxygénases, qui vont oxyder les acides gras de la graine et donner ce goût un peu herbacé. Ici, nous avons donc la variété Aveline, qui a justement un goût favorable par l'élimination d'une partie de ses enzymes. Et là, la variété Obélix, du fait de son gros grain, une variété précoce qui est également utilisée en Suisse en fourrager pour l'alimentation animale. Pas d'Obélix au Brésil, donc. Et donc, quels sont les critères de sélection que vous retenez pour sélectionner le soja qui doit pousser en Suisse, qui doit pouvoir être utilisable par les agriculteurs de Suisse ? Tout d'abord, il doit être adapté à nos conditions climatiques. Nous avons une période de végétation qui est relativement courte, du mois de mai jusqu'à fin septembre. Donc, nous travaillons uniquement sur les génotypes précoces. Donc, on doit vraiment sélectionner le matériel qui peut pousser dans cette période de végétation assez courte. Nous avons aussi des objectifs agronomiques. Donc, c'est évidemment le rendement pour l'agriculteur, un maximum de rendement. La résistance à l'averse pour faciliter la récolte du soja ou encore la tolérance à différentes maladies. Et également les objectifs de qualité qui sont très importants pour la transformation. Surtout la qualité pour l'alimentation humaine, c'est le taux protéique, donc des taux protéiques élevés. Beaucoup de protéines. Oui, beaucoup de protéines pour la transformation en tofu ou en lait de soja. Et aussi une amélioration pour le goût, comme je vous l'ai expliqué précédemment. Et dernière question, pour nous donner une idée, un chiffre, ça prend combien de temps d'obtenir une nouvelle variété de soja, comme l'Obélix par exemple qu'on voit là ? Alors c'est un exercice relativement long. Le sélectionneur ne crée rien du tout. Son but est d'utiliser donc la diversité qu'il a à disposition. Et le but est donc de mettre les caractères intéressants ensemble dans la même plante. Donc, Et tout ça, en année, ça prend combien de temps finalement ? Ça prend une douzaine d'années, donc c'est relativement long. Il y a beaucoup d'observations chaque année qui sont réalisées en laboratoire, au champ. Et chaque année, on retient à peu près le tiers du matériel le plus intéressant. 12 ans pour obtenir une nouvelle variété de soja, c'est aussi long que pour un médicament quand même. Merci beaucoup Claude Alain Bétry pour vos explications et bon retour chez vous. Merci, avec plaisir.
Autrefois produit de niche, le soja devient incontournable dans l'alimentation des Suisses. Pas seulement dans les plats végétariens, non, le soja se cache aussi sous forme d'additif dans le chocolat, le pain ou les biscuits. Et qui dit soja ne dit pas forcément aliment équilibré. Végétarien, vegan ou flexitarien, quelle que soit la manière dont on les appelle, ils participent à la tendance générale de manger moins de viande. Depuis des années, le mouvement semble inéluctable. Les restaurants qui ne proposent pas de viande se développent. Il y a un peu plus d'un an, c'est le célèbre buffet de la gare de Lausanne qui devenait un établissement végétarien, avec logiquement du soja sous toutes ses formes. On informe les gens sur tous les allergènes principaux et le soja est déclaré dans chaque plat, chaque boisson. C'est toujours clairement indiqué. Alors au niveau des boissons, c'est toutes les boissons qui contiennent du lait. Elles sont disponibles avec du drink soja. Donc on a toute une variété de boissons chaudes, latte macchiato, Indian chai, etc. Et au niveau des plats, il y a pas mal de plats chauds, de salades qui contiennent du soja pour que chacun trouve son compte en fait. Et beaucoup trouvent leur compte dans cette chaîne de restaurants zurichoises qui compte 14 enseignes en Suisse, au Royaume-Uni et en Allemagne. C'est que le soja, aujourd'hui, n'est plus consommé seulement par les végétariens. Cette petite graine a beaucoup d'atouts nutritionnels. D'abord, c'est une excellente source de protéines de très bonne qualité, contrairement à d'autres sources de protéines végétales. Le soja est peu gras, riche en acides gras polyinsaturés, principalement des oméga-6. L'avantage aussi du soja, c'est qu'il y a de nombreuses déclinaisons culinaires parce qu'on retrouve le soja sous forme liquide, donc les boissons à base de soja, yaourt, crème, tofu, tempeh, miso. Donc de plus en plus, le soja s'invite dans nos assiettes. Et donc, on l'a compris, les industriels raffolent de cette petite graine. À la HESSO de Sion, où l'on forme les futurs ingénieurs alimentaires, le soja, on connaît. Vous avez la graine ici à l'extérieur, ce sont principalement des fibres alimentaires. Et à l'intérieur, on va retrouver 40-45% de protéines. Et puis, on va retrouver 20-25% grosso modo d'huile également. Bien sûr, il y a des sels minéraux, il y a encore des fibres un petit peu à l'intérieur aussi. Les avantages du soja, c'est déjà une légumineuse qui est connue depuis des millénaires. Ce n'est pas une matière première qui coûte très très cher. Elle est produite en quantité phénoménale. Ensuite, c'est un produit bien qu'on va retrouver toute l'année puisque on va le retrouver sous une forme sèche. Les graines sont séchées et donc on peut les stocker et les utiliser quand nécessaire. Mais si l'industrie aime tellement le soja, c'est aussi pour sa lécithine. Extraite de l'huile de soja, on la retrouve sous l'appellation E322 sur les étiquettes des chocolats, des pâtisseries, mais aussi des cosmétiques. Pour faire simple, la lécithine de soja permet de lier l'eau et le gras. Le soja semble être un produit miracle. Et pourtant, il y a une qualité qui lui manque quand on adopte un régime sans viande. En fait, c'est la vitamine B12 qui est une vitamine essentielle pour l'être humain, mais qui n'est présente que dans le règne animal. Donc, pour tout ce qui est, enfin, surtout pour les végétaliens et dans une moindre mesure pour les végétariens, en fait, il convient justement de supplémenter en vitamine B12 les produits donc destinés à cette frange de la population, puisqu'ils pourraient être en carence de vitamine B12. Nous avons soumis plusieurs types d'aliments au soja à Stéphanie Bonouin. Car si le soja est bon diététiquement, la manière dont les industriels l'utilisent laisse à désirer. Déjà, ce qu'il y a, c'est que l'emballage nous laisse croire qu'on a affaire juste à un jus de soja original, sans aucun ajout, bio-organique, original. Et quand on regarde en fait la liste des ingrédients, on se rend compte qu'il y a du jus concentré de poire, malt d'orge, du sel, de l'extrait de vanille et des épaississants. En fait, c'est un peu étonnant parce que donc du coup, le but, c'est certainement de masquer le goût de soja et ça apporte aussi du sucre et donc ça dénature un peu le produit. Le soja, on peut en faire un peu ce qu'on veut.
On ajoute du sucre pour le rendre plus proche du lait de vache et pour en faire un steak végétal, on ajoute beaucoup d'ingrédients. Une sorte de viande, hein, donc c'est un burger végétal. En fait, c'est vraiment un produit ultra transformé, en fait. Hein, donc, quand on voit la liste des ingrédients, bon, il y a les protéines de soja, protéines de blé, mais il y a également énormément d'additifs, que ce soit des correcteurs d'acidité, de l'amidon, même des fibres de bambou, des acidifiants et des colorants, bien entendu. Ce qu'on peut reprocher, donc, outre son caractère ultra transformé, qui n'est absolument pas conseillé dans la population générale, mais également finalement chez les végétariens et les végétaliens, c'est également fort saturé, donc il y a énormément de graisses saturées, plus de la moitié des graisses présentes sont saturées, et ça est fort salé. Donc c'est pas parce que c'est végétal que c'est meilleur pour la santé. Donc, même si cette petite graine est bonne à la base, une fois transformée pour ressembler à un produit carné, elle en perd tous ses avantages diététiques. Depuis quelques temps, le soja a fait son apparition sous une autre forme encore, et ça n'est pas forcément où on l'attendrait. Ces protéines viennent enrichir pain, chips ou boissons. Le fait d'ajouter donc, dans certains produits des protéines de soja permet de monter la valeur de protéines. Alors pourquoi ? Ben, il n'y a pas vraiment de raison. Il y a en tout cas des raisons santé ou nutritionnelles, il n'y en a pas. C'est typiquement marketing, c'est un argument bien-être. C'est à la mode. Il y a eu la mode des allégations sans gluten, sans ci, sans ça. Et bon, là, c'est l'inverse, on rajoute. On n'est pas du tout en manque de protéines. Alors certaines franges de la population peuvent avoir des besoins augmentés, comme par exemple les sportifs, mais malgré ça, il n'y a pas besoin de se tourner vers des produits particulièrement enrichis en le fait de manger correctement, de manière diversifiée, équilibrée. Il n'y a aucun souci. D'ailleurs, en général, on mange trop de protéines. Donc ce genre de produit n'a aucun intérêt, en fait. Plus préoccupant, le soja est soupçonné de perturber notre système endocrinien et même notre fertilité. En cause, ces isoflavones, des molécules semblables aux œstrogènes. Des scientifiques sonnent l'alarme, notamment du côté des gynécologues. C'est à l'université de Bordeaux qu'il faut se rendre pour rencontrer l'une des spécialistes européennes du soja. Depuis des années, Catherine Bento se bat contre vents et marées pour faire connaître les qualités mais aussi les risques de cette plante. Le soja, naturellement, est une plante de très grande valeur nutritionnelle et qui, du coup, pour se défendre contre ses prédateurs, a développé un certain nombre de protéines et de facteurs antinutritionnels pour limiter la prédation. Et parmi ces facteurs antinutritionnels, en fait, on a des isoflavones qui sont là, en fait, pour limiter la reproduction de ces prédateurs. Et ces prédateurs, les voilà. Le papillon Chrysodexis, le puceron du soja et l'homme. Donc, quand on mange du soja, on ingère aussi ces isoflavones. Spécialiste de la reproduction, Dorothea Wunder constate l'impact de ces isoflavones sur notre fertilité. Vous venez la première fois chez moi et vous venez pour un désir d'enfant. Les gens pensent toujours que les plantes, c'est toujours bien. Et ça, c'est pas juste. Il y a des effets très, très puissants, mais il y a aussi des interactions, il y a aussi des mauvais effets. Et c'est pour ça qu'il faut voir un petit peu globalement. On a une alimentation un peu plus végane. Vous deux ? Ensemble. Oui, ensemble, oui. Vous avez changé, d'accord ? Tout à fait. Ça veut dire que vous consommez beaucoup de tofu, par exemple. Tofu, lait de soja. Ces isoflavones seraient donc des perturbateurs endocriniens. Même si la recherche n'est pas unanime sur le sujet, beaucoup de gynécologues constatent les effets d'une consommation importante de soja. Par exemple, chez la femme qui est dans l'âge de fertilité, si c'est excessif, ça pourrait théoriquement faire des prolongations des cycles parce que la synchronisation entre la centrale hormonale et l'ovaire, c'est perturbé par ces œstrogènes. Ça dépend toujours le dosage. Hein. Si on prend de temps à autre du tofu, ce n'est pas un problème. Mais si on prend excessivement ou des suppléments, oui, ça peut faire
diminuer les ovulations et avec ça, bien sûr, diminuer la fertilité aussi. Juste récemment, j'ai eu un couple, ils ont changé leur alimentation, que vegan, et ils ont pris beaucoup de tofu, et soja. Et là, la dame, elle a eu tout d'un coup un cycle qui était beaucoup plus long, irrégulier. Mais les isoflavones ont aussi des côtés très positifs, notamment pour les femmes plus âgées. Par contre, une femme qui est ménopausée, qui a des bouffées de chaleur, des sueurs, comme ça typiquement comme symptôme d'absence d'œstrogène, ça peut diminuer les bouffées de chaleur, ça peut beaucoup améliorer la qualité de vie. Les isoflavones ont également un effet double sur le cancer du sein. Sur une glande mammaire saine, on a un effet protecteur. Sur un cancer déjà établi, qui répond aux estrogènes, à ce moment-là, les phytoestrogènes ont un effet délétère parce qu'ils vont promouvoir la croissance. Donc, les spécialistes déconseillent souvent la consommation de soja aux personnes qui ont ou qui ont eu un cancer hormonosensible, type cancer du sein ou cancer de la prostate. Dorothea Wunder identifie encore d'autres effets indésirables des isoflavones chez les hommes cette fois. Ça peut perturber aussi les hormones masculines et il y a aussi des études qui montrent des perturbations de la spermatogénèse. Ça veut dire qu'il y a moins de spermatozoïdes et aussi la qualité elle est diminuée. Il n'y a pas toutes les études qui montrent la même chose. C'est encore toujours en discussion, mais plutôt un effet anti-fertilité pour l'homme. Le soja se retrouve aussi dans certaines boissons pour nourrissons. Pas disponible en France, ces produits sont en vente libre en Suisse. Ces formules, en fait, elles contiennent des quantités très importantes de phytoestrogènes. En fait, si on rapporte au poids de l'enfant, à un bébé qui consommerait une quantité normale de lait de soja pour nourrisson, pourrait être exposé à des doses qui vont jusqu'à 7 fois celles qui vont perturber les cycles chez des femmes cyclées. Je déconseillerais clairement le lait de soja. À cet âge tellement sensible comme bébé, ça pourrait agir comme un autre perturbateur endocrinien et ça pourrait chez les garçons potentiellement diminuer peut-être la spermatogénèse, avoir des effets de fertilité pour plus tard. Et pour les filles aussi, disons diminuer l'âge de la ménarche, des premières règles. Et pourtant, si le soja était si dangereux pour la fertilité, comment expliquer qu'en Asie, où on en consomme depuis des millénaires, on continue à avoir des bébés ? Ça ne fait pas des millénaires qu'ils sont exposés aux phytoestrogènes, parce qu'en fait, les recettes traditionnelles qui impliquaient des trempages et des cuissons dans l'eau du soja éliminaient les phytoestrogènes, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui des procédés industriels. Et donc si on regarde les recettes anciennes de tofu, de tempeh, de natto, de miso, les cuissons duraient entre 2 et 4 heures et les gens renouvelaient l'eau. Et ce faisant, on enlève les phytoestrogènes parce qu'eux sont solubles dans l'eau. Mais attention, rien ne sert de cuire longtemps le tofu quand on le prépare chez soi. Selon Catherine Bento, c'est au moment où l'on transforme industriellement le lait de soja en tofu que le process actuel est trop rapide pour éliminer ces isoflavones. On n'a jamais été autant exposé aux phytoestrogènes que dans les 40 dernières années, puisque les pays industrialisés qui consomment du soja industriel depuis maintenant deux générations présentent des taux de fertilité globale qui sont relativement faibles. Les données de l'index Mundi, c'est 1,35 enfants par femme au Japon, 1,25 en Corée du Sud et 1,12 à Taïwan, par exemple. Alors qu'il faudrait 2,1 enfants par femme pour un renouvellement de la population. Aujourd'hui, des chercheurs envisagent même que ces puissantes isoflavones, une fois extraites du soja, servent aux femmes qui ont la ménopause et aux personnes atteintes d'ostéoporose. Il fait trembler les marques et les distributeurs avec les résultats impitoyables de ces tests. Le plaisir de retrouver ce soir Stéphane Fontanet. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Linda. Vous avez fait analyser une trentaine de produits. Mmh. Qu'est-ce que vous êtes allé chercher dedans ? On a été rechercher des isoflavones. Ce sont des hormones très présentes dans le soja et soupçonnées d'être
perturbateurs endocriniens. Donc pour ce faire, le labo a déterminé des groupes de personnes, adultes, enfants, adolescents, et puis des tailles de portions. Et en fonction de ça, en fonction des doses d'isoflavones trouvées, on a pu déterminer que telle portion contenait tant d'isoflavones pour telle catégorie de personnes. Alors ce qu'il faut préciser, c'est que manger des produits avec des isoflavones, une fois de temps en temps, ce n'est pas un problème. Par contre, si vous en mangez matin, midi et soir, si vous êtes dans des catégories plus à risque, comme les femmes enceintes, les enfants ou les adolescents prépubères, ça peut être un risque. C'est Catherine Bento, la spécialiste qu'on a vue dans le reportage qui a conduit le test. Elle nous explique la méthode utilisée. Pour chacun des aliments que vous nous avez fournis, on a prélevé 3 fois 1 gramme qu'on a pesé bien rigoureusement. Et ensuite, sur ces échantillons d'un gramme, on les a broyés, on les a dissous dans 50 ml d'eau. Et ensuite, on les a extraits avant le dosage. Et le dosage, ici, on le fait en utilisant des ELISA, qui sont des dosages immunologiques qu'on utilise notamment dans les laboratoires d'analyse médicale et qui nous permettent de doser chaque phytoestrogène indépendamment. Pour les liquides, c'est encore plus simple. Hein. Il suffit de prendre 1 ml de ce lait de soja, par exemple, de le mettre dans 50 ml d'eau et ensuite de pratiquer l'extraction sur ce mélange. Place aux résultats. On va vous les donner par groupe de produits. En gros, des meilleurs aux moins bons. On commence par les snacks à base de soja et les sauces soja. Verdict. Alors pour les snacks, c'est très bon. Hein. On a 0,2 à 0,4 mg d'isoflavone par portion. C'est très peu. C'est le cas pour les snacks Vaya Protéines de Zweifel, tant pour les adultes que pour les enfants d'ailleurs. Et on fait le même constat positif pour les snacks à la tomate de Pop-Ups, ainsi que pour les crackers Taruyaki de Fine Food. Pour les sauces soja, on a Kikoman qui a de très bons résultats, ainsi que la marque Vitasia. Suit Cuisine Soja de Soyason qui est jugée bonne pour les adultes, mais seulement satisfaisante pour les enfants. Ensuite, les succédanés de viande, donc les burgers, les nuggets végétariens. Là, c'est bien, c'est pas bien? Alors, ça varie selon les cas. Hein. L'Incredible, un haché de soja Garden Gourmet, est jugé très bon. Par contre, les galettes Next Level Burger sont bonnes pour les adultes, mais seulement satisfaisantes pour les enfants. Oui, alors justement là, parce qu'on voit pour chaque produit, il y a 2 appréciations, une pour les adultes, une pour les enfants, qui peuvent être différentes. Qu'est-ce qui explique cette différence? Alors la différence, c'est le poids. On a pris un adulte de 60 kg et pour les enfants, on a décidé de prendre 30 kg. On retrouve cette différence d'ailleurs pour la suivante, pour les nuggets Delicorn. Ils sont jugés bons pour les adultes, mais seulement satisfaisants pour les enfants. Ensuite, on a Alnatura et sa spécialité viennoise. C'est ce qu'on appelait autrefois des saucisses. Hein. Le produit est jugé insatisfaisant pour les enfants, par contre. Insatisfaisant aussi la bolognaise Bon Chef, alors que le burger de tofu bio de Swiss Soya est jugé mauvais pour les enfants, avec 31,9 mg d'isoflavone pour une portion de 100 grammes. On recevra tout à l'heure le directeur de Swiss Soja pour commenter ce résultat précisément. Vous avez aussi acheté du pain. Oui, on a acheté du pain. Le pain protéiné de Lidl est jugé satisfaisant, alors que celui de la Migros est trop chargé en isoflavone, insatisfaisant. On passe aux céréales et muesli pour le petit déjeuner. Là, c'est plus nuancé. Plus de nuances, oui. Le Birchère Muesli Fit de Farmer, seulement satisfaisant pour les enfants. Juste satisfaisant aussi le Crisp Muesli de Vomaltine. Ça se gâte ensuite pour les flocons de soja Natura Plan, jugés mauvais pour les enfants. De même que pour les flocons de soja Migros Bio, mauvais pour tous, enfants et adultes, avec 30 mg par portion. On a ensuite 2 desserts. Dans le soja Soyog classique, la quantité d'isoflavone est jugée trop élevée par le labo pour les enfants. Insatisfaisant aussi le dessert Alpro Natur ohne Zucker. C'est encore meilleur en allemand. Et puis les fèves de soja avec les edamame hein, qui sont très à la mode en ce moment, c'est pas terrible. Non, c'est pas terrible, ça se gâte. Hein. La salade d'edamame est jugée insatisfaisante. Et c'est pire pour les 2 suivants qui sont jugés mauvais par le labo, la boîte de fèves Karma Bio et la boîte Soja M Classique Bio aussi. Le tofu, mauvais aussi? En tout cas, les 3 que nous avons choisis, c'est pas bon pour ces 3 produits. Trop d'isoflavone dans le tofu bio Typhoon, beaucoup trop dans le Nature Active Bio pour les enfants et même constat pour le tofu Nature Bio de Demeter, tant pour les adultes que pour les enfants. Donc en résumé, bio ou pas bio, c'est chargé en isoflavone. Vous faites le même constat avec les laits de soja?
Avec les soja, ce n'est pas bon non plus. Hein. C'est mauvais pour les enfants. Il s'agit de soya drink bio-organique de Milbona. Mauvais aussi soyana de Swiss soya. Et mauvais encore karma bio soy drink pour tout le monde, enfants et adultes. Avant de passer au dernier élément de notre test, comment réagissent les distributeurs qui vendent ces produits ? Alors, Coop et Migros précisent qu'il n'y a pas de limite légale pour les isoflavones. Chez Lidl, on souligne que les hormones sont présentes naturellement dans le soja, que ça dépend, que leur quantité dépend de la culture, du mode de transformation, du climat, etc. Et puis du côté de Manor, les fabricants concernés précisent que différentes études ont conclu qu'il n'y avait pas d'effet indésirable lié aux isoflavones et que les doses trouvées sont loin en dessous des recommandations de 2005 de l'Agence française de sécurité sanitaire qui recommandait de ne pas dépasser une dose de 1 mg par kilo de poids par personne. Enfin, chez Aldi, pour le dessert concerné, il n'y a pas de consensus sur un effet négatif des isoflavones. On recommande aux personnes toutefois de prendre contact avec un professionnel de la santé en cas de doute. On va s'arrêter encore une minute sur un dernier produit, hein. C'est ce lait en poudre de Bimbozan, lait en poudre végétal, le seul qu'on a trouvé sur le marché. Que dit le résultat du test ? Alors, notre experte au labo dit qu'il y a trop d'isoflavones. C'est un mauvais résultat pour ce Bimbozan bisoja dès le premier jour. Ouais, et là, on est en zone rouge, hein, vraiment, puisque l'Office fédéral de la sécurité alimentaire estime que l'alimentation végane n'est pas recommandée pour les nourrissons et que ce type de lait ne doit être consommé que si un pédiatre le prescrit. Alors, que répond Bimbozan ? Alors, Bimbozan nous indique que les isoflavones sont des composants naturels du soja. Leur teneur ne peut pas être influencée et est sujette à des fluctuations naturelles. La recette, toutefois, a été adaptée par le passé pour réduire ses quantités. Et puis, Bimbozan dit s'en tenir aux dernières connaissances scientifiques et à la législation. Ouais, ça vaut quand même la peine de demander conseil à son pédiatre, hein, dans le doute. Un dernier conseil justement pour nos téléspectateurs, Stéphane, avant de se quitter. Oui, alors si dans la liste des ingrédients, vous voyez huile de soja ou lécithine de soja, pas de souci, ces hormones ne se trouvent pas dans ces composés. Merci Stéphane, à la semaine prochaine. Et vous retrouverez le détail de ces résultats pour les enfants, pour les adultes, pour les ados sur notre site internet abe.ch. Avec nous pour poursuivre la discussion, le plaisir d'accueillir sur ce plateau le directeur de Swiss Soja, Manuel Martinez, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on vous a vu dans le reportage, vous êtes un des gros fabricants de produits à base de soja de Suisse romande en particulier. On a testé un de vos produits, résultat, pas mal d'isoflavones, en particulier pour les enfants. Est-ce que pour vous, c'est acceptable ? Alors, acceptable, c'est difficile à dire dans la mesure où, au jour d'aujourd'hui, à notre connaissance, il y a autant d'études sur les isoflavones que d'opinions différentes. Alors, on peut toujours s'améliorer. Aujourd'hui, on travaille avec des fèves de soja qui sont d'origine bio-bourgeon suisse, qui sont donc cultivées en Suisse, récoltées en Suisse, transformées en Suisse. Alors, pour bien comprendre, il y a une dizaine d'années, il y avait déjà eu un test et effectivement, la teneur en isoflavone était plus basse. Absolument. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, il y a une dizaine d'années, on travaillait avec du soja importé. Aujourd'hui, on travaille avec des fèves de soja qui sont cultivées en Suisse, récolté en Suisse, transformé en Suisse. Donc on constate qu'effectivement, le taux d'isoflavone est plus élevé. Ce qui influence grandement le taux d'isoflavone, ce sont donc les conditions climatiques de la culture du soja. Donc ce taux peut même varier pour le soja suisse d'une année sur l'autre. Donc ce que vous me dites, c'est que le soja suisse est plus chargé en isoflavone que le soja brésilien, par exemple. Aujourd'hui, ça semble être le cas, oui, absolument. On parle, les études disent qu'on peut raisonnablement consommer quotidiennement entre 20 et 40 mg d'isoflavone pour 100 g de tofu. Donc ça veut dire qu'une personne qui pèse 70 kg peut consommer 70 mg d'isoflavone par jour. Donc avec les résultats qui sont les nôtres aujourd'hui, on part du principe, selon ces analyses-là et selon ces études-là, que l'on peut consommer une à deux portions de tofu par jour sans danger pour la santé. Ouais, c'est toujours une question de quantité, effectivement. Si on en mange plusieurs produits, là, on peut avoir tout à coup une dose d'isoflavone trop forte. Tout à fait. Et puis, finalement, tout tient dans une alimentation variée et diversifiée. Mais est-ce que vous envisagez de revoir vos processus de fabrication à la lumière de ces résultats ? Si les processus de fabrication peuvent être améliorés pour faire baisser le taux d'isoflavone sans faire baisser la qualité nutritionnelle des produits, absolument, on est absolument et totalement favorable. Donc on verra, on refera un test dans quelques années, on verra quels seront les résultats. Manuel Martinez, merci beaucoup. Merci à vous. Et très belle fin de journée à vous. Merci à vous aussi.
Et puis, pour ceux qui veulent approfondir ces questions, eh bien, je vous recommande ce livre, Planète Soja, de la journaliste française Julie Lotz. Nous nous sommes largement inspirés de ses écrits pour cette émission. Voilà, vous êtes informés, à vous de choisir. Vous louez une voiture pour vos vacances au Maroc et vous la retrouvez pliée, comme un accordéon, entre une autre voiture et un camion. C'est ce qui est arrivé à Sabrine et à Blaise, un couple de surfeurs fribourgeois. Depuis, ils tentent désespérément de récupérer leur caution. Reportage, Claudio Personnelli. Sabrine et Blaise sont des inconditionnels de la planche sous toutes ses formes. Mais les eaux tranquilles du lac de Schiffenen et le stand-up paddle ne comblent pas pleinement la passion profonde de ce couple. Leur sport favori, c'est le surf. Et pour le pratiquer, ils n'hésitent pas à s'exiler le temps des vacances, même parfois dans des endroits plutôt improbables. Ah, oh, joli ! En février dernier, Sabrine et Blaise ont mis le cap sur la côte atlantique marocaine, histoire de découvrir de nouveaux spots. On avait loué un véhicule chez Europcar et on est parti de Tagazout en direction, ce jour-là, on partait en direction d'Essaouira. Et on a fait une halte dans la ville d'Imsouan pour aller boire un café et manger une crêpe. On avait entendu à Tagazout, par des surfeurs, que Imsouan, c'est un super bon endroit pour faire du surf, qu'il y a de grandes vagues et qu'il fallait absolument qu'on aille surfer là-bas. Le repas terminé, le retour au véhicule de location a réservé une mauvaise surprise à notre couple. En revenant du restaurant, on a constaté que notre véhicule, qui était stationné donc normalement sur une place de stationnement, était complètement embouti de l'arrière et était donc comme pris en sandwich entre le véhicule qui nous a embouti de l'arrière et le camion qui était garé devant nous. Mais au début, j'ai pas compris que c'était notre véhicule. Et finalement, en arrivant un peu plus loin, j'ai réalisé que c'était le nôtre. Alors j'ai commencé à crier, j'ai cherché le gardien partout pour lui demander ce qui s'était passé. En fait, le conducteur de l'Audi blanche qui roulait à vive allure sur cette route côtière a perdu le contrôle de son véhicule et embouti la voiture de location. Une fois les véhicules séparés, ce n'est que tard dans la nuit que la situation a pu être réglée avec l'agence de location qui a fini par envoyer un véhicule de remplacement. Quand on a rendu le véhicule à l'agence de Europcar Casablanca, on leur a montré donc toutes ces vidéos, les photos, et clairement, les deux employés qui étaient là, dont un devait être peut-être le directeur de l'agence, nous a clairement dit, au vu des photos, qu'on n'avait rien du tout à nous reprocher et qu'on n'était clairement pas fautifs. Alors, Environ une semaine après mon retour en Suisse, je reçois un email de la part d'Europcar me disant qu'il gardait ma franchise de 1800 francs. Juste après l'accident, je parlais avec le chauffeur du camion et lui, il m'a dit, depuis le début, il m'a dit qu'ils vont essayer de te prendre la franchise. Il m'avait déjà averti, ils vont tout faire pour que finalement ce soit toi le fautif. Ils ont gardé cette franchise pour, selon eux, pour deux raisons. D'une part, on était stationné irrégulièrement parce que garé sur le côté gauche de la route. Et d'autre part, apparemment, on n'aurait pas rempli le constat correctement. On aurait oublié de mentionner le terme projection de notre véhicule vers l'avant. Pourtant, la photo du constat signé entre les différents conducteurs des véhicules impliqués dans l'accident le montre clairement. Le mot « projeté » y figure bien. Quant à l'autre argument juridique, le parquage illégal à gauche de la chaussée, nous l'avons soumis à un spécialiste du droit routier. J'ai vérifié dans ce code de la route marocain, effectivement, il y a une disposition qui prévoit que le stationnement peut être considéré comme gênant si on se met sur le côté gauche de la chaussée. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que, et beaucoup d'automobilistes suisses semblent totalement l'ignorer, c'est qu'en Suisse également, il est tout autant interdit de se garer sur le côté gauche de la chaussée, sauf quelques rares exceptions, si on a un tramway sur la droite, si la route est très étroite, etc. Mais cela est prévu pour éviter que celui qui vient se garer fasse une manœuvre dangereuse qui consiste à traverser le flux de circulation inverse
et en repartant de même. Mais ça n'est pas une fois que le véhicule est garé que pour autant, même si on n'a on a pas respecté cette règle-là, que pour autant le véhicule devienne un danger. Et c'est bien le cas dans cette affaire d'accident au Maroc. Une fois que le véhicule est garé sur le côté gauche de la chaussée, d'ailleurs à la suite d'autres véhicules qui se trouvent dans un sens ou dans l'autre, ce véhicule ne peut pas constituer un danger particulier. Donc très très clairement, dans ce cas au Maroc, je ne vois pas comment le loueur de voiture peut, d'une manière ou d'une autre, mettre une quelconque faute à charge du conducteur. J'ai bien examiné les images de cet accident. On ne peut pas construire une quelconque responsabilité, ni selon les grands principes généraux du droit qu'on retrouve dans tous les pays, ni même selon le code de la route marocain. Malgré toutes les évidences apportées par le jeune couple, à la fin de notre tournage, Europcar Maroc s'opposait toujours au remboursement de la franchise de 1800 francs injustement retenue. Nous avons demandé à Europcar pourquoi elle refusait de libérer cette caution. La société de location nous a répondu avoir finalement rendu ces 1800 francs à Blaise et Sabrine. Explication, l'assureur de la voiture blanche, donc celle qui a percuté le véhicule des Suisses, cet assureur, après 6 mois de tergiversation, a accepté de payer. Mieux vaut tard que jamais. Si vous aussi, dans votre vie de consommateur, vous rencontrez une situation injuste ou simplement abracadabrantesque, écrivez-nous abe@rts.ch ou via notre page Facebook. Nous contacter, c'est ce qu'a fait Sabrina, justement. Cette téléspectatrice vient de vivre une drôle d'aventure avec son courrier. Simple comme la poste, dit la publicité, pas tout à fait. En avril 2019, je suis partie avec mon compagnon en voyage durant une année. Et j'ai fait dévier mon courrier chez un ami qui s'appelle David pendant cette période pour que tous les courriers soient transférés chez lui. J'ai payé 35 francs par le biais de la poste pour ce service. Tout s'est très bien passé pendant 9 mois environ, jusqu'à ce qu'au mois de novembre, quelque chose s'est passé et ce qui a fait que les courriers ne sont plus parvenus chez mon ami. Et malheureusement, plusieurs courriers de l'OCN, donc de l'Office de la Circulation et de la Navigation fribourgeois, sont retournés à l'expéditeur avec la mention « a quitté cette adresse, a disparu, cette personne n'existe pas là ». En fait, la police a débarqué chez l'ami où j'avais fait dévier mon courrier pour réclamer les plaques de voiture. Et donc, cet ami m'a téléphoné complètement paniqué en me disant « il y a deux policiers avec des gilets pare-balles qui te réclament, ils veulent absolument prendre tes plaques ». Et moi, je ne comprenais pas de quoi il me parlait. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte, on a été vérifié avec mon ami sur notre compte postal si on avait bien payé cette facture. Et effectivement, on ne l'avait pas payé parce qu'on ne l'a jamais reçu. En fait, ça m'a coûté 60 francs parce que la police a débarqué pour prendre mes plaques. Et 45 francs parce que j'ai dû payer l'amende, enfin j'ai dû payer la facture de l'Office de la Circulation en retard. Et ce n'est pas tellement pour ces 105 francs que ça m'a coûté, mais plutôt pour le principe. Parce que j'ai expliqué à la poste que j'avais payé pour un service. Ce service n'a pas été fait. Et quand j'ai voulu aller plus loin, on m'a dit que c'était moi qui n'avais pas fait mon travail, ce qui est totalement faux, quoi. Moi, j'ai payé pour ça et je voulais gain de cause, tout simplement. Ce que j'aimerais que la poste m'explique, c'est comment les courriers entre avril et novembre ont été très bien transférés chez mon ami et tout à coup, depuis novembre, plus rien du tout. Et est-ce que la poste est entrée en matière sur un dédommagement pour les frais? La poste n'a pas du tout entré en matière sur un dédommagement. Eh bien, la Poste non plus ne comprend pas ce qui a pu se passer. Par contre, comme par magie, juste après l'intervention d'ABE, elle s'est excusée auprès de Sabrina et lui a remboursé ses 105 francs. Tout est pour le mieux, dans le meilleur des mondes.